Ici, c'est le programme de la classe de philo qui commence avec le gouvernement de Dessalines. Je dois vous dire que le programme de la classe de philo comprend quatre gouvernements: Dessalines, Christophe, Pétion et Boyer. Ici, il y a aussi le régime de Napoléon Bonaparte. On va commencer avec le gouvernement de Dessalines. Le gouvernement de Dessalines a deux objectifs: relever l'économie et protéger l'indépendance. Pour relever l'économie, Fondou, après l'indépendance, c'est seulement terre. Eh bien, Dessalines est obligé de passer dans la terre. Parce que le pays va mieux en passant que le pays a été ruiné par la guerre. De 1791 à 1804, ça fait près de 13 ans de guerre qui a ravagé le pays. De telle sorte que l'objectif immédiat du gouvernement, c'est passer par la terre pour élever l'économie. Mais étant donné que les champs de canne à feu, les champs de canne à sucre étaient incendiés, les canaux d'irrigation étaient brisés, eh bien, il faut élever l'économie, c'est seulement terre en guerre. C'est pour ça, Dessalines, d'après adopter dans la terre la politique agraire, politique d'agriculture, qui avait pour objectif de relever l'économie du pays. En tant que politique, Dessalines d'après adopter près de six mesures. Mes mesures, première est la vérification des titres de propriété. Pour qui ça, Dessalines est obligé d'adopter mesures ça? Parce qu'après l'indépendance, il est obligé de faire vérifier pour les gens qui pas pris dans le parce que tel colombien a été quitté le pays, parce que nous avons chassé le colombien. Mais Milan, avec général, pour tout bien colombien a été quitté. Dessalines est obligé d'adopter le décret ça pour la faire vérifier. Est-ce que les gens qui ont bien nommé aussi prouvé? Est-ce que des papiers ou bien nommé? Parce que monsieur prend tel colombien a été quitté. De telle sorte que Dessalines, l'État, pas joué de pour faire travail. Tout le colombien a été quitté. Des Milan qui dit, que ça, c'est papa ou bien qui a quitté le pays, il a hérité. Généralement, même si on a battu pour l'indépendance, on prend ça comme récompense. Dessalines dit, attention, nous avons tous combattu pour l'indépendance. Que la terre soit distribuée en toute justice. Et c'est ainsi que Dessalines a pu dépêcher des agents en province, dans tout le pays, pour aller forcer monsieur à remettre terre. Ils ont vérifié pour vous, vous n'avez pas bien terre, terre après pour vous. Vous n'avez pas bien pour Kala, Kala après pour vous. Vous n'avez pas bien pour nous. Il a pris tout doucement dans mon, il a fermé pour l'État. Mais juste ça revient, vérification de titre de propriété. Forme doit passer que mesure ça a mis Dessalines en conflit avec les deux bourgeoisies. Parce qu'après l'indépendance, il y a deux oligarchies, deux bourgeoisies. Une oligarchie mulâtre, qui est l'ancien libre, et une oligarchie noire, qui constituait les nouveaux libres. Deuxième mesure qui est dans la politique agraire, il y a le caporalisme agraire. Le Dessalines fait pour un terrain, il ferme l'État, ça le capra. Dessalines dit paysans sont des vrais pour le travail. Parce que notre pays est ruiné. Paysan dit Dessalines, nous pas de travail. Parce que nous sommes libres. La masse considère le travail comme retour à l'esclavage. Et pas fortune. Parce qu'à l'époque coloniale, il était contre travail, beaucoup de fait. Le Dessalines demande pour y aller travail. C'est comme si il y aurait Dessalines demande pour retourner dans l'esclavage. Il dit Dessalines, notre travail. Pour séparer tes bons nous. Petit que lié, notre travail, notre vivre en famille. Mais question pour notre travail, soit pour Dessalines, soit pour que ce soit Dessalines, nous mettre que ça dans le sentiment. Paysans, pas prêts à le travail. Dessalines sont obligés de voir les soldats dans toute province à le forcer les paysans de travailler. Donc, paysans qui pas de travail. À midi, aux gens, paysans qui ont besoin de nous, ils battent tout le monde pour le travail. Paysans qui pas de profession, pas qu'à quitter en dehors d'une capitale. Ils battent Marie-Louise, ils battent Marie-Louise 12 coups de bâton. Ils font le paiement 12 coups pour tête Marie-Louise, cachant paysans dans la calibre de France. Paysans qui pas de profession, doivent être en province. Mais juste à Dessalines appliquée contre Massacre de Caporal Smaga, quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure a pour objectif de forcer la masse à travailler la terre. Et nous avons oublié bon objectif, première mesure, c'est vérification des titres de propriété. Quel a été l'objectif de la vérification des titres de propriété? Cette mesure a pour objectif de nationaliser tous les biens appartenant aux anciens propriétaires. Dessalines dépose des mesures et il fait tout bien, ça a retourné bien d'État. Troisième mesure qui est dans la politique agraire, il y a le système de cas. Système de cas, il y a le Dessalines qui prend le récupérer pour l'État, parce que Dessalines, c'est le premier monde qui prenait le communisme. Ça veut dire tout bien pour l'État. Ouais, ça. Et puis, il dit, l'État prend la fermeture. Principalement, généraux, il n'y a pas fermé. Mais Dessalines dit, l'offre n'a pas fermé. On va payer pour terre. Le paiement se fait en nature, non pas en espèce. On n'a pas besoin d'argent. Mais l'offre n'a pas fermé. C'est vous-même qui mettez terre, mais c'est l'État qui a besoin de vous payer. Dessalines dit, s'il vous plaît, mais qui vient ça faire? Il y a un monde qui a fait monter, tant c'est pour vous. Si c'est moi qui cultive ce sol-là, je récolte moi là, s'il vous plaît, faites 4 lots. Vous avez l'État, un lot. Vous avez le gérant, un lot.
ou abaye mon cultivateur yolo, ou même qui s'est metteur, ou apprend yolo. Vous voyez ça le système d'un cas. Un cas de la récolte revient à l'État, un cas au gérant, un cas au propriétaire, un cas au cultivateur. Dans cette troisième mesure, quatrième mesure, interdiction de vendre du clairage et du bois du campage. Cinquième mesure, la fixation du droit des douanes à 10% aux produits à l'importation et à 10% aux produits à l'exportation. Douane fixée 10%, même si on a importé produit, ça veut dire qu'on a pris des marchandises dans le pays, on paye douane 10%. On a exporté produit, ça veut dire qu'on a envoyé marchandises vendre à l'étranger, on paye douane 10% toujours. Ça, c'est toutes ces mesures. L'importation doit être effectuée à égale répartition sur toutes les produits, sur tous les produits. Ça veut dire si c'est café, on va exporter, on va voyer vendre. On va voyer vendre café, coton, c'est 1 tonne, on va voyer vendre dans chaque. Et ça, l'on fait ça pour monsieur pas favoriser les produits sur l'autre. Parce que les produits ont été plus que les ventes dans le café. De telle sorte que mes soutiens de la politique agricole, en forme de lieu, pas observé. Il y a ce monde qui est plus en rébellion, les mulattes. Mulattes au côté, dans le sud. Eh bien, son mulatto c'est dans le sud. Dessalines apprend que mulatto en rébellion. Et c'est ainsi que Dessalines décide à le faire tourner dans le sud. Dessalines quitte Machin à la tête d'une troupe. Pour le faire tourner dans le sud. Exactement, là, il avant d'entrer au Canada dans le sud, il va se jacquer dans le sud-est. Il arrive, ça a été dit Dessalines, c'est ça. Tiens, messieurs, non, mais il n'y a pas de papier. Quand il n'y a pas de papier. Dessalines dit à Jean, pour qui fait ça? Il dit que ça, c'est pour un commandant. Quand ça, c'est pour un général. Et ça, ça, c'est pour un mulatto, il dit papa, le bloc quitte le bout. De Saline dit le moi, vous le général commandant Milat. De Saline dit, monsieur, monsieur l'autre, nous pas observer. Quand on rogue, si c'est de Saline chire pour l'être, on mettait au simple soldat. Quand on Milat civil, de Saline mettait dans prison. Ça pour le battre, lui battre tout. Bagaille qui tue de Saline net. Il était interdit dans la politique agréable. Interdiction de vendre du clair et du bois de campèche. Le de Saline, il veut jamais lui dire, d'où le clair et le bois de campèche net. Ça veut dire qu'on sort de commerce clandestin, monsieur, a fait avec Américain. Bah, ça a tué de Saline net. Il voulait bois de campèche. Il voulait d'où le clair. Il voulait moun qui t'a vendu clair. Libou les magasins, côté clair au tap vendre, li bat garçon, touye garçon, li chire pour l'autre garçon. De sa ligne, faut pas qu'elle dégage Jacques Mel. Après ça, l'entrée au canal, continue de dégager. Même quand dégage, t'es fait Jacques Mel. Il continue au caille, bat garçon, touye garçon, boule bagage, pas qu'elle dégage. De sa ligne, tellement fait dégage dans ce. L'élope qui était au caille, l'élope, tu bois. De sa ligne, dit Lama, tapé la mer. Lama était le commandant des petits bois. Lama dit président, ça, parce qu'il dit, vous tapez la mer. Parce que nous sommes dans ce, nous sommes fait dégage. Bagage d'où la main, vous êtes bad garçon. N'est-ce pas suite pas observer samedi, même si vous êtes petit garçon, vous êtes cassé maintenant. Mais bad garçon, boule garçon, tuer garçon, boule bois, confesse, boule magasin, chier pour l'être nec. Guidi la main, tellement vous êtes fait des gars dans le sud. Si les habitants du sud ne se soulèvent pas contre moi, c'est qu'ils ne sont pas des hommes. Tenez bien, le passage de Dessalines dans le sud représente la cause occasionnelle de sa mort. Alors que les mesures qui se trouvent dans la politique agraire sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessalines. Ma pour exemple, vous comprenez? Notez bien, les mesures qui se trouvent dans la politique agraire sont considérées comme cause profonde ou fondamentale de la mort de Dessalines. Je vous redoute encore. Si on donne un examen, ben, deux causes fondamentales de la mort de Dessalines, entraîne dans la politique agraire plein deux mesures, dit vérification des titres de propriété, capitalisme agraire, etc. Si on dit ben, deux causes et deux mesures dans la politique agraire, c'est la même question. Par exemple, j'ai un problème avec un homme, mais j'ai beaucoup battu avec lui. Un jour, je l'ai passé par la carrière, je me frappe. Parce que je me frappe, il fonçait dans le connaissement. Action qui fait foncer dans le connaissement, c'est lui qui occasionne l'événement. Tendez bien. Problème, moi, t'es avec déjà. Il y aurait des causes profondes ou fondamentales. Problème de Saline, t'es avec nous, déjà. C'est mesure qui est dans la politique agraire. Ça veut dire toutes les mesures qui sont dans la politique agraire, t'es déjà mettre de Saline en conflit avec les catégories sociales, que ce soit le capitalisme agraire, t'es mettre de Saline en conflit avec la masse. Vérification des titres de propriété qui mettent des salines en conflit avec la bourgeoisie, de telle sorte que dans la politique agraire, on trouve les causes profondes et fondamentales de la mort de Dessalines. Quelle est la cause occasionnelle de la mort de Dessalines? C'est sa tournée dans le sud. Dessalines mourit par un monde qui fait cas de lui, parce que Dessalines a été rejeté par la masse et combattu par la bourgeoisie. C'est un monde fou qui a enterré Dessalines, défilé. Non, Dessalines fait 40 ans, par exemple, c'est juste en 1845, le président Pierre dit, moi-même, pas rentrer dans la communauté, ça. Dessalines, c'est le fondateur de la nation. Le 17 octobre 1845, le président Pierre ordonne toute l'église catholique en général pour célébrer messe de Requiem en l'honneur de Dessalines, qui fait nom de Dessalines, par cité après 40 ans. Étant donné que, après, et femme de ça, qui est-ce qui doit remplacer Dessalines? Christophe. Parce que le plus haut gradé, c'était Christophe. Sur le plan de la hiérarchie militaire, c'est Christophe. Christophe était général de division. Mais en qualité de général de division, commandant du Nord, il était aussi général en chef de l'armée. Ça veut dire que celui qui doit remplacer Dessalines. Négmi, maintenant, l'Ouest, dans le sud, comme ça. Christophe quitte le cap, là, le marchand, quand Madame Dessalines Clareuse, là, le conseil de Clareuse. Christophe dit Clareuse, on met 6 jours sans. Moun qui tue Maou, yon me connaît. C'est Négmi, dans l'Ouest, Négmi, dans le sud, qui fait combinaison de tuer Maou.
Il dit que l'ouest, la mer du nord est accampée. Ma prêle rentre dans l'ouest, ma prêle rentre dans le sud. Ma prêle fait, monsieur, rentre sans ma ou yo brel. Ça, c'est ça. Christophe se dit que l'ouest. Mais, milat dans l'ouest, dans le sud, par exemple. Yo connaît Christophe à venir calmer pour voir sous prétexte la vie venger des amis. Il s'en offre. Yo prend le général Bonnet, vous, on l'aide par Christophe. Ça, vous voyez, dit Christophe. Yo voyez, dit Christophe, je dis à des salines mourir. Nous, les milat de l'ouest et du sud, nous reconnaissons que des salines est mort. Mais nous reconnaissons aussi que Christophe est mieux placé que nous pour remplacer des salines. De ce fait, nous, les milat de l'ouest et du sud, nous remettons provisoirement le pouvoir entre les mains de Christophe. Ouais, ça, monsieur, remettre Christophe au pouvoir. Et en attendant, nous allons organiser des élections pour établir une assemblée constituante. Et l'assemblée constituante établira une constitution. Et la constitution déterminera comment on choisira un président. Monsieur, remettre Christophe au pouvoir. Mais il dit Christophe, en attendant qu'on fait élection pour établir l'assemblée constituante qui va choisir la constitution, nous reconnaissons tout comme président provisoire. Monsieur, remettre Christophe au pouvoir. Mais c'est un piège. Christophe prend un quoi et va voter lui. Christophe connaît dans le nord et 33 paroisses, l'ouest avec sud de 26. Si il n'y a pas choisi un député par paroisse, il y a bien 33 députés, l'ouest avec sud a bon 26 députés. Eh bien, il aurait ça bien compté, mal calculé. Élection commence dans l'ouest, les salines nous en octobre, 17 octobre, élection commence en novembre, du bout de décembre. Mais si on fait magou dans l'élection, d'après Louis-Joseph Janvier, il dit nous ne pouvons jamais élection qui est plus gros magou que l'élection de 1806. Qui s'est amusé à tout faire? Nèg dans l'ouest, nèg dans sud, choisit deux députés dans chaque paroisse, l'ouest avec sud. Au lieu, l'ouest avec sud, bon 26 députés, il y a 52 députés. Alors qu'ils ont toujours choisi un seul dans les paroisses du nord, Christophe est à 33. Quelle est la faute électorale de 1806? La faute électorale de 1806, c'est que le nombre de députés a été augmenté dans les paroisses de l'ouest et du sud. Pas jamais oublié ça. Après, on finit de faire faute, là, il y a une majorité de députés, ils en ont besoin. Il y a 52 députés pour former l'assemblée constituante. Qui est la constituante? Constituante là pour faire loi, pour établir une constitution, c'est ça qu'on a dit. Ils ont monté la constitution en vrai. Mais comme il y a 52 côtes qui ont voté pour les milliers contre 33, toute loi vient d'intérêt, ils ont orienté la constitution dans le sens pour le pouvoir. Même l'assemblée constituante, ça, avant l'aller, il vient pour choisir un sénat de 24 sénateurs. Exactement. Yoshita a choisi un sénat qui a 24 sénateurs. Tenez bien, Samuel Lula. Dans 24 sénateurs, il n'y a pas une qui sort dans le nord. Toutes 24 sénateurs, c'est nègre dans l'ouest, nègre dans le sud. Toutes ces mulates. Après ça, il y aura une constitution en un sens pour reprendre le pouvoir dans Christophe. À partir de la constitution de 1806, Christophe devient président théorique. Regardez sa constitution, on dit. C'est le Sénat qui a le droit pour nommer président d'après la constitution. D'après la constitution en tout, le Sénat a le droit pour corriger président. D'après la constitution en tout, le Sénat a le droit pour révoquer président. Là, on a posé une question. Est-ce que le Milat avait vraiment établi la démocratie après la mort de Dissali? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Le Milat avait concentré tous les pouvoirs au Sénat. Ils reprennent le pouvoir entre les mains de Christophe de manière diplomatique. Au lieu de démocratie, les Milat ne font qu'établir une dictature parlementaire. Christophe devient président théorique. Ça, ouais, les deux pas de démocratie, c'est son premier aspect. Vous connaissez tout le monde par le même sentiment. Dès que nous représentons Christophe qui veut assister à l'élection, il ne va pas digérer ce qu'il fait. Il connaît le chevalier de l'entrée. Non. Là, lui, il dit président Christophe, il n'y a pas parole pour. Christophe dit il connaît ce qui passe. Il connaît dit président, rentre, je vais expliquer ce qui passe. Il connaît dit président, en tout premier lieu, avec président, maître tiré ça ensemble. Soit président, président, non, la caille. Mais sur le territoire national, là, non. Je vais raconter ça, monsieur. Il connaît dit président, vous avez bien pour des gens sans prendre douleur. En tout premier lieu, monsieur choisit deux députés par paroisse. Il y a 52, ou même il y a 33. Après ça, on monte à l'Assemblée constituante avec 85 députés. Comme des 52 qui ont voté pour, ils ont rangé la constitution en un sens par eux, ils ont pris le pouvoir. Même l'Assemblée constituante, sa présidente, d'après la constitution, il établit un sénat de 24 sénateurs. Président, attendez ça. Pas qu'il y a un sénateur qui sortit dans le nord. Tous 24 sénateurs, c'est mulat rouge, président. Ça, c'est un. Deuxièmement, président, attendez bien ça, me parle d'où. Constitution a retiré le pouvoir en un mais honnête. Attendez ça, le dit. Premièrement, d'après la constitution, c'est le Sénat qui a le droit pour nommer qui est ce qui doit président. C'est un. Vous connaissez le deuxième président. Où est-ce que c'est octant au président? Comme ça, papa, j'en fais encore. Le Sénat a le droit pour corriger l'élève d'après la constitution président. Vous connaissez le troisième président. Où est-ce que c'est président? Comme ça, papa, j'en fais mon président. Malheureusement, je regrette ça. Le Sénat, d'après la constitution, a le droit pour révoquer le président sous la présidence. Vous connaissez le Christophe, où est-ce que tu as accepté le Sénat? Sénat, tu as président, ou même dit président, ou tu as vu une caporale? Christophe dit, est-ce que son pouvoir sérieux vient raconter maintenant?
Il connaît le président Bassou. Il fait 2 jours son cheval sur Port-au-Prince pour venir. Non, je ne vais pas raconter pour une barre de gens. Je viens de ça, moi, parce que je vais décider de prendre l'argent. Parce que je viens Christophe te voyager assister à l'élection pour venir. Christophe dit, il connaît merci. Christophe dit, tout soldat, mieux prends amour. On va rentrer dans l'ouest, on va rentrer dans le sud. On va battre nous là pour coquin, pour vicier, pour gangou, pour voler, pour souffler en tout. On va marcher sous fiel, on va piétiner. Christophe dit, vous parlez devant Milat, s'il vous plaît. Gardez l'ange, trop c'est cool. Vous ne parlez pas à Milat. Parce que tout ces coquins, tout ces volets. L'armée du Nord faute de 18 000 hommes, pas besoin de tout. Alors que l'armée de l'Ouest et du Sud était composée seulement de 3 000 hommes. La plus grande armée était concentrée dans le Nord. Les Salines ont fait ça parce qu'elle n'a pas fait Milat sur confiance. Et finalement, 18 000 hommes décident de quitter le Nord pour entrer dans l'Ouest. Depuis qu'ils sont va prêter ce mac là pour être Milat. Quand Milat parle devant Christophe, il dit vous-même, ou t'es dans la combinaison élection. Il trouve ses coups. Reste Milat qui se met à rentrer à Kaye, il est rentré à Kaye, il est survivant. Il est arrivé à Kaye, il dit que Kaye est son Milat qui a dirigé, le général Bazley. Il est arrivé à Kaye, il dit que Milat, reste Milat qui est à Kaye, le général Bazley principalement. Il dit que Christophe, si vous avez fait faire vite, parce que Christophe derrière, c'est quand on tempête, c'est garder le gars de Milat, je le trouve, c'est reste Milat qui est à Kaye, pas fait de dire. Il prend tout reste Milat, Bazley prend tout reste Milat, il est rentré à Port-au-Prince. Il est arrivé à Port-au-Prince, il est à Port-au-Prince, tout battre la bataille. Les bases de Paris de Port-au-Prince lui dit, monsieur, si vous avez fait faire vite, parce que Christophe dit, quand on tremblement de tel abri, c'est marcher là, marcher sous Milat. Les gars de Port-au-Prince ne peuvent pas faire du tout. Il a pris à Cyber, il a pris le montant en résistance pour autant de Christophe. Exactement, 1er janvier 1807, Christophe paraît devant Cyber. Armée de 18 000 hommes, canon, chat de guerre. Pas besoin d'où? L'armée qui composait la résistance de Cyber était composée de quelques centaines d'hommes. Christophe dit, monsieur, montez quand on efface ça au moins. Le dit, faut m'entrer dans l'ouest, faut m'aller dans le sud. Faut m'aller faire Milat tant de raisons. Pas besoin d'où? C'est marcher qui se fait marcher sur eux. À mesure que Christophe a tiré là, l'armée de l'Ouest battait en retraite. Ça veut dire, à mesure qu'il a tiré, il a fait back. Christophe a marché sur le cando. Il a fait back. Christophe a marché sur le cando. Il a fait back. Christophe a marché sur le cando. Cheval peut être pour un bal dans la bataille cyber. Christophe dit, nest ça va cacher pour ça à la tête, il y a ses bétons tirés. Pendant que tout soldat visait bétons tirés, bon soldat qui est le couteau, il est couteau. Il passait le prêche à vos bétons, il met la tête lui. Il a tiré Coutilien Kouta dans la place Béthion. Même 1er janvier 1807, là, Christophe Guetta a assiégé Port-au-Prince. Chantemasse, à l'époque, c'était les grandes savanes. Toute zone ça a été assiégée, zone cathédrale. Mais chance pour Port-au-Prince, mauvaise chance pour Christophe. Port-au-Prince, c'est une zone stratégique. Montagne de la Chardonnière, qui est là dans le monde de l'hôpital, qui barre Port-au-Prince, et plus la mer. Monsieur Monto en cache-cache, et puis, qui fait Christophe pas qu'à dénicher résistance qui est en bas de monde Fontamara. Faut Christophe, c'est deux stratégies pour l'utiliser. Faut le temps de battre de guerre ou bien le passer sous monde. Non. Il n'y a pas de battre de guerre et passer sous monde, n'est pas facile. Faut tout on la saline et faut porter Saint-Joseph. Saint-Joseph, il n'y a pas de dénicher. Et il y a la marine haïtienne, faut bisoton. Comme son seul entrée de poil dans le sud, la bataille ne paraît difficile pour Christophe. Et c'est comme ça, après 7 jours de bombardement, la résistance des hommes du Nord avait faibli. Après 7 jours, Christophe m'a des soldats pour retourner dans le Nord. Et c'est comme ça, le 7 janvier 1807. Pendant que Christophe a tourné dans le Nord, il est arrivé Saint-Marc, il trace limite lui. Et il est arrivé au Cap, il nomme tête lui résident. Après ça, il a pris le nom de tête lui roi. Ça, c'était le royaume du Nord. Et finalement, c'est là qu'il doit nommer président. Il a pris le répétition. Vous voyez ça le 9 mars 1807. Vous voyez ça a commencé à cailler jusqu'à ce qu'il arrive Jérémy. Ça, c'est le gouvernement de l'Ouest. Le pays est divisé. On est pour une petite question. Quelle est la cause occasionnelle de la division du territoire? La bataille de Cyber. Donnez deux causes fondamentales de la division du territoire, la mort de Dessalines et la fraude électorale. Qu'est-ce qui a engendré la bataille de Cyber? La fraude électorale de 1806. C'est quoi la fraude électorale de 1806? C'est que le nombre de députés a été doublé dans les paroisses de l'Ouest et du Sud. Tel un des besoins de question, on dit, est-ce que Milat est démocrate? On dit tout premièrement, parce que les Milat avaient concentré tous les pouvoirs au Sénat. Et le Sénat était composé de 24 Milat. Au lieu de démocratie, c'était plutôt une dictature parlementaire. On parle de dictature quand il y a concentration des pouvoirs. Quand tous les trois pouvoirs se trouvent concentrés entre les mains d'un seul homme ou d'une seule institution. Entre les mains de qui se trouvent les trois pouvoirs? Au Sénat. Le pouvoir de l'exécutif, qui est le pouvoir du président, se trouve au Sénat. Parce que c'est Sénat, constitution, par exemple, pour nommer, pour dire le vote. Non seulement président, quel que soit l'autre monde qui vient après le président. De telle sorte que le président devient libre. Ouais, Milat, tu te vois, l'aide par Christophe, le diable. Ah, par le général Baudin, on te dit qu'on va établir la démocratie. Mais n'est-ce pas démocrate? Deuxième volet, la question, on va montrer qu'on va démocrate même. Est-ce que le Milat peut être démocrate? On va expliquer un petit détail dans l'histoire, ou après, et que monsieur va démocrate.
En décembre 1808, le Sénat a vu une lettre de Pétion dans le palais. Il a vu le reproche de Pétion de saleté de faire d'affaires. Il a vu le convoqué tout pour venir dans le rapport de saleté. Pétion qui a soupçon que le Sénat a pris le révoqué, il a débarqué dans le Sénat toute la même. Il est arrivé dans le Sénat, bien fâché. Pétion dit, sénateur, une question que nous posons. Le sénateur dit, mais président, nous attendons. Pétion dit, je dis, non, tu vas moi, nous devons l'être bon. Le sénateur dit, oui, nous devons l'être bon. Parce que vous avez un an et demi de pouvoir diriger. Ou bon pouvoir dans mon depuis mars 1807, nous en décembre 1808. Nous pas avoir trop de bagarre ou fait. Nous voulons l'aide bas. Vous venez nous rapport de son fait. Et aucun tout pas qu'à nous rapport de son fait. Parce que nous avons l'autre monde sérieux de carrière. Mais tu as dit, sénateur, sur question, tu nous m'en poses bien mauvais. Sénateur, tu as dit, je m'en tombe. Mais tu as dit, bon, dis-nous, tu bagarre. Dans petit bout de terre, ça me baille chambou, il me prend balle n'importe 5 fois, me blesse dans la guerre pour lui. D'après nous-mêmes, qu'est-ce qui préside dans la guerre? Sénat ou bien moi-même, Pétion? Répondez. D'ailleurs, je vais vous donner une réponse là. Qu'on y a? Sénateur a toujours gardé son frère. Il a dit, président, c'est au président. Parce que c'est Sénat qui est bon pour. Il a dit, Pétion, c'est pas ou même qui vous a posé Sénat la question. C'est Sénat qui a bien posé la question. Parce que tout récemment là, sénateur est le bon pouvoir. Mais qu'on y a, c'est eux-mêmes qui vous demandez qui est le président. Il a dit, Pétion, regarde la fâche. Sénateur dit, Pétion, nous trouvons un gars. Pas oublié. C'est pas vous-même qui êtes président, c'est Gérard qui est le président, parce que c'est Gérard qui est président du Sénat. Mais mon projet de loi, sous finance, nous avons voté. Un matin, nous réunis là, et puis, nous avons voté loi. C'est ton loi sous finance. Gérard pas d'accord. Comme c'est seul Gérard pas d'accord, il était 24 sénateurs. Nous 23 votés. Pour qu'on tout détail au président. Et puis, comme nous 23 votés, Gérard quitte l'assemblée. Là, l'IV2 a tombé, font paquet, etc. 10 bêtises. Ou est-ce que machin de pression. Et bien, sénateur, dit bon, on est dividi comme ça, pas qu'un président au pays. Et c'est ainsi que, ou même au partenaire, là, on est tout malade, couché dans la cabane de la cabane. Et puis nous décidons de voter au bon président. Et qu'on y a, regardez, j'en viens paraître devant le Sénat, on vient. Grand merci, cher coup de bâton. Regardez, j'en viens aussi, ou qu'on y a devant le Sénat, on vient grandir, regardez, j'en parle avec nous. Sénateur dit, ben, tu es bon, j'en viens n'y a qu'on s'en apprécie, bon. Jean-Pierre Bois a tombé à qu'on s'en coupe. Ou vient brutalement, Sénat apprécie, bon, brutalement, tout président. Il a dit, Pétion, regarde, l'oublier. Ce n'est pas dictature, non, Sénat, avec ce c'est d'après la loi. Regarde, l'oublier, Pétion, c'est la constitution de défense qui bat le Sénat doit pour nommer, corriger, révoquer le président. Et tout le monde, quel que soit notre monde. Il a dit, bon, Pétion, mais ça n'a pas de temps de mots par là. On va faire geste ça, bon. S'il vous plaît. Au nom de la loi, qui bat nous doit pour nommer, corriger, révoquer. S'il vous plaît, là, il vient de parler à président. Fais geste solennel, ça. Ramassez pas que tout parce que le Sénat va révoquer. Et tu regardes calme, regardes sans frère. Mais tu dis bon, entendez-nous. Mais comme il y a deux mouns à parler, il faut quitter une fin de parler après ça pour parler. On y a, je ne réponds pas. Parce que je ne pas tout pour me dire. Et tu dis, je vais nous faire du silence pour entendre. Et tu dis, attendez, ça me dit. FIFI, ENI, SERA, SETA. C'est la dernière fois que ton président Chitana parle à la calme, paisiblement. Quand il a vive. Ou des individus mal intentionnés, des petits vagabonds, relèvent pour marquer le dégât sur ton ça. Ou de respecter le niveau, ça. Pendant que tu as parlé, c'est garder mon garder, ouais, sénateur, passer dans la fenêtre en bas de table. Mais tu as brisé le sénat. Mais tu as dit, soldat, je vais pas tirer sur eux, mais tirer dans mi. Tu as dit, là, tout sénateur final, mais tu as pris un gros cardinal, cardinal, c'est pour le sénat. Mais tu as fait 4 ans avec pour ça, frère. Quoi de plus dictatorial? Deuxième volet de question, est-ce que le ministre était démocrate? Non. Premièrement, parce que tous les pouvoirs étaient concentrés au Sénat. Deuxièmement, parce que c'était le ministre qui avait brisé le Sénat. Briser le Sénat, c'est briser la démocratie, c'est briser le principe de la Constitution. Pétion devient dictateur parce qu'il a brisé le Sénat. Deuxième partie, nous avons deux gouvernements en présence, le gouvernement de Christophe et le gouvernement de Pétion. Et nous avons toujours étudié une enfant. Nous décidons pour le gouvernement de Pétion. Et la politique agraire de Pétion, il y a trois mesures là-dedans. Première mesure, elle est donation des domaines. Deuxième, c'est don des domaines. Troisième, c'est vote des domaines. Donation des domaines. Pour qui ça? Quel a été l'objectif de cette mesure? Cette mesure avait pour objectif de redonner aux mulâtres les terres enlevées par des salines, par la vérification de titres de propriété. Au cours des salines, tu as fait un terre, tu l'État. Eh bien, comme il était écrit dans le document que les résistances à l'oppression, qui ça a été dit dans ce document? Nous avons coupé l'arbre de l'avilissement. Propriétaire, vous serez rentré en possession de vos biens. Exactement. Mais j'ai décidé de rebâtir toute mulâtre de salinité planteur sous prétexte que de salinité feuille injustice, de salinité planteur illégale. Et c'est comme ça, mais juste après les donations des domaines que tu as adoptées, hein,
c'était pour bail. Nous l'avons nous l'avons prêté quand couche un fou caille tout ça rejoindre parce que y a des faveurs au gouvernement y a prêté. Pas oublier cette mesure, c'est dans le but de constituer une oligarchie milate. Vous voyez, Petro décide de construire par cette mesure une oligarchie milate. Y a prêté. Mais prenez à prêter forme de ça, mais juste après l'engendrer au bagage. Qu'est-ce qu'elle va l'engendrer? C'est la protestation des paysans. Paysans ont levé campé. Paysans ont dit que ça, on a travaillé là-dedans depuis l'époque coloniale. Je dis à si Petro a séparé terre, faut Petro par les paysans en terre. Ça, c'est une bonne revendication. Mais le gouvernement n'a pas de intention par tout le monde. Il a de intention de restituer l'oligarchie qui a été brisée sous des salines. Et finalement, paysans ont pas de force pour combattre. Avec gouvernement de Petro. Mais, bon bagage qui va le passer. Pas oublier, mesure ça, la pral engendrer la division.